Bienvenue à l'émission Pendule à l'heure. Dans cette série, nous sommes en train de parler des pensées. Et dans cet épisode, nous allons vous montrer l'importance de contrôler ses pensées pour contrôler ses émotions. Et nous allons pas seulement vous montrer l'importance, nous allons vous montrer comment le faire. Amen. Et j'ai avec moi le pasteur Isaac, le pasteur Darius et le pasteur Gentil. Bonjour, bonsoir, bonjour, pasteur. Bonjour, apôtre. Que le Seigneur vous bénisse. On est en train de parler d'un merveilleux thème. Amen, amen, amen. Hein? En tout cas, on parle des pensées. Le pasteur Isaac parle des vibrations. Ouais, vraiment, merci, apôtre, encore une fois, pour l'opportunité d'être dans cette émission prestigieuse. Amen. Prestigieuse, pendule à l'heure. Donc, oui, vraiment, nous abordons un thème extrêmement important. C'est vraiment, un thème vraiment, vital. Vraiment. Je pense que Dieu nous a donné l'âme, Dieu nous a donné les pensées, comme on l'a dit la dernière fois, pour créer notre vie, pour recevoir les pensées qui sont dans la parole de Dieu. Amen, amen. Donc, c'est vraiment un thème extrêmement important. Non, c'est une très bonne chose. L'âme, c'est vraiment quelque chose amen, de bien. Amen, 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 on ne peut pas vivre une vie où on est victime des mauvaises pensées tout le temps, où on est victime des émotions toxiques, tout simplement parce qu'on ne veut pas faire des efforts de pouvoir gérer correctement ça. Amen. C'est vrai que, merci encore une fois, apôtre, pour l'opportunité. C'est vrai que c'est vraiment un thème très important parce que notre âme, si on sait contrôler nos pensées, on va vivre une belle vie. Si on ne sait pas, on va être victime de notre vie, en fait. Donc, en fait, quelque part, c'est que nous devons choisir de vivre une belle vie, en fait. Autrement dit, vivre le bonheur, vivre une belle vie, c'est un choix, en fait. C'est ça. C'est le fruit de notre travail pour contrôler nos émotions, c'est en fait, ça. Et avoir les bonnes pensées pour faciliter le contrôle de nos émotions. Non, c'est vrai. C'est vrai, pasteur Gentil. Merci, apôtre, effectivement, pour l'opportunité. Je pense qu'on est sur un thème très, très important parce que tu as l'habitude de dire que l'âme est l'expression de l'onction, en fait. Ça veut dire que comme on peut recevoir l'onction, l'âme que nous avons, ça veut dire la qualité de nos pensées va déterminer la manifestation même de notre onction. Donc ça veut dire même notre ministère dépend de nos pensées. Ah, parce vrai. Que lorsqu'on lit la Bible, on va voir, je pense c'est Élie ou non, c'est Élisée, lorsque ses enfants vont courir après lui, ils vont dire « monte chauve, monte », il va déclarer une parole sur eux. Pourquoi? Parce que l'onction qu'il avait était liée aussi à son âme. C'est donc ça, ça veut dire qu'on est vraiment sur un thème très très important. Ouais, et d'ailleurs, pour justement rebondir là-dessus, c'est l'une des raisons pour lesquelles c'est quand même l'un des prophètes qui n'a pas eu vraiment un brillant successeur. Hein. C'est ça. Ouais, parce que justement, voilà, s'il peut maudire aussi promptement des enfants, on peut comprendre pourquoi c'était compliqué pour Géasi et les autres. Quand on étudie, non, c'est vrai, quand on étudie vraiment l'histoire d'Élisée, c'était vraiment quelqu'un qui était ouin. Hein. C'est quelqu'un qui avait vraiment la double part de l'onction d'Élie. C'est ça. Mais je pense qu'il y a un travail au niveau de ses émotions, en fait, qu'il y avait à faire. C'est important que les gens comprennent que c'est pas parce que quelqu'un est ouin qu'il n'a pas un travail à faire au niveau de ses émotions. Justement, il doit faire un travail au niveau de ses émotions pour correctement exprimer son onction, parce que l'onction est un outil que Dieu nous donne pour pouvoir opérer ici sur la terre. Et si nos émotions ne sont pas contrôlées, on peut mal utiliser cette onction et ça va marcher. C'est vrai, et ça va marcher en fait. Parce que quand il va maudire Géasi, la lèpre va vraiment tout de suite. Mais qu'est-ce qui se passe après? Le premier serviteur n'est plus là, Géasi n'est plus là. Et on se rend compte, et regardez, je ne sais pas si vous avez remarqué même comment il est mort. C'est l'un des rares prophètes où on dit qu'il est mort de la maladie c'est dont vrai. Il a souffert, en fait. Et beaucoup de spécialistes pensent que c'était un cancer. Parce que, oui, beaucoup pensent que c'était un cancer, parce que le monsieur, au niveau de ses émotions et de son âme, voilà, il n'a pas vraiment fait le travail qui se devait. Et c'était le cas aussi, excuse-moi, pasteur Isaac, pour les fils du tonnerre. C'est pour ça que Jésus va les réprimander lorsqu'ils vont dire, est-ce que tu veux qu'on appelle le feu, que le feu descende tout de suite? Pourquoi Jésus les réprimande? Parce que Jésus ne s'attaque pas forcément à ce qu'il dit, Jésus s'attaque au système de pensée qu'ils avaient. Parce qu'il savait que même si on réprimande quelqu'un sur ce qu'il vient de dire, si on n'attaque pas son système de pensée, ça va être dangereux pour lui. Donc c'est très très important de comprendre que mon système de pensée va déterminer vraiment la manifestation de l'onction que je vais avoir. Et c'est pour ça que tu as souvent l'habitude de nous enseigner sur l'amour. Et même Paul va dire quelque chose qui est vraiment pertinent. Il va dire, si même combien je vais prier les langues des anges et tout, je vais parler les langues des anges, si je prie pour des malades sont guéris. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Donc Paul va nous démontrer que l'onction est capable de se manifester même sans amour. Mais pourtant, ce qui va déterminer la pérennité de notre onction, la pérennité de nos œuvres, c'est l'amour qui va être lié à la manifestation de l'onction. Donc ça veut dire que la qualité de mes pensées va même déterminer l'éternité de mon œuvre ici sur la terre.
et vraiment aller dans le même sens. Vas-y, je dirais même, pasteur, que la pensée constitue en grande partie vraiment notre caractère, en fait. Ben oui, c'est ça. Le caractère va vraiment être le vase qui va contenir finalement l'onction. Peut-être le vase qui va véhiculer, va nous permettre de gérer correctement l'onction. On vient de prendre l'exemple d'Élisée. C'est le même cas, même avec Élie, on voit qu'Élisée, même Élie aussi, on va voir qu'on peut avoir vraiment une onction véritable. D'ailleurs, l'onction est véritable. L'onction vient de Dieu. C'est quelque chose de divin. L'onction est toujours véritable. Mais notre système de pensée, la manière dont on va contrôler les pensées qu'on va ériger dans notre âme vont déterminer la manière dont même l'onction va fonctionner. C'est-à-dire que l'onction peut fonctionner avec une plus grande amplitude en fonction des pensées que nous avons. Donc, on le voit comment Élie va même écourter, comme le pasteur Gentil le disait. Il va écourter un peu, on va dire quelque part, sa destinée. Parce qu'il va parler les mauvaises pensées. C'est il va dire, je ne suis pas meilleur que mes pères. Mais il avait une onction véritable qui venait. Il n'y a pas plusieurs onctions. L'onction vient de Dieu. Donc, ils avaient vraiment des onctions véritables. Donc, on voit que l'onction, on peut le diriger, mais c'est quand même curieux de le dire, on peut diriger l'onction dans des bonnes œuvres ou dans des mauvaises œuvres. C'est vrai. C'est pour ça qu'il parle vraiment de l'amour. Donc, quand Dieu veut qu'on soit rempli des pensées d'amour, parce qu'il sait qu'il nous a quand même donné quelque chose de fort, de très fort. Donc, si on dit l'onction, on voit Élisée, mais on peut dire qu'il est en colère. Il est en colère. Ainsi de suite. Il se met en colère. Il a les pensées de peur. Tout d'un coup, il va libérer une parole, mais il oublie qu'il est quelqu'un de ouin. Que ses paroles ne sont pas ordinaires. C'est comme ça qu'il va appeler. L'onction fait des miracles. Il prononce quelque chose. Tout d'un coup, les ours, les animaux vont venir bouffer les enfants. Donc, les pensées sont importantes. Non, mais pasteur, ce qu'on est en train de dire, c'est vraiment important. Je ne suis pas sûr que beaucoup de chrétiens arrivent à comprendre ça, en fait. Ils ne comprennent pas que l'onction, c'est la puissance de Dieu. En fait, c'est une puissance que Dieu met à notre disposition pour opérer dans notre destinée, en fait. Et cette onction va opérer selon le caractère que nous avons, en fait. Il ne faut pas penser que... parce que, en fait, c'est l'onction, donc... Quand on va exprimer, regardez, il y a quelque chose que je dis souvent. J'ai médité sur Ananias et Saphira. Et un jour, le Saint-Esprit m'a dit quelque chose qui m'a vraiment choqué. Et le Saint-Esprit m'a dit que, en fait, l'apôtre Pierre était... En fait, c'est... Les apôtres ont vécu l'Ancienne Alliance. Ils l'ont vécu. Les apôtres ont vécu l'Ancienne Alliance. Parce qu'ils ont vécu avant la résurrection c'est de vrai. Jésus. Amen. Et ils sont nés dans l'Ancienne Alliance. Le Saint-Esprit m'a dit que la mentalité de l'Ancienne Alliance était bien ancrée en eux, en fait. Nous sommes pasteurs, nous savons très bien que le renouvellement de l'intelligence ne se fait pas en 3 mois. Donc vous n'allez pas me faire croire que l'intelligence de l'apôtre Pierre là-dessus s'est renouvelée très rapidement. Il y a même des révélations que Paul a dû leur apporter par rapport à la dispensation dans laquelle ils étaient. Et un jour, le Saint-Esprit m'a dit que l'apôtre Pierre, au moment où Ananias et Saphira ont été frappés, il a exercé le ministère avec la mentalité de l'Ancienne Alliance. C'est vrai. Parce que, en fait, ce que Ananias et Saphira ont fait, pasteur, dans nos églises, il y a des gens qui font pire. C'est vrai. Je suis désolé, il y a des gens qui font pire, en c'est fait. Vrai. Pourquoi ils ne tombent pas raide mort? Parce que nous ne prononçons pas des paroles contre eux, en fait. Exactement. L'apôtre Pierre a quand même dit quelque chose, en fait. Il s'est énervé. Il a dit, mais comment tu as pu mentir au Saint-Esprit? Comment tu t'es entendu pour cela? Et le fait qu'il se mette en colère, ça a irrité, en fait, les anges qui étaient autour de lui. Et ça, les anges ont frappé Ananias et Saphira. L'onction qui était sur lui a frappé Ananias. Ananias et... Le truc, c'est que c'est ça que l'apôtre Paul va appeler, en fait, livrer au diable pour la destruction de sa chair et le salut de son âme, en fait. Et regardez quand Saphira arrive. La même chose. Il a vu que ce qu'il a dit a fait tomber le mari. Il aurait pu se dire, oh my attention. God, mais ce truc-là... Mais il faut faire attention avec ça. Est-ce que vous comprenez? Il a seulement dit,
ceux qui ont enterré ton mari, ils sont là. Ça voulait tout dire. Ça veut dire qu'il avait fait exprès. Ça veut dire qu'il avait fait exprès. Il avait fait exprès. Et certaines personnes vont dire, bon, c'est pas totalement faux, qu'en fait, cette situation arrive pour pouvoir installer une atmosphère de crainte de Dieu et de sainteté dans l'Église, en fait. Je suis d'accord. Mais là, on voit quand même que le serviteur de Dieu est énervé parce que vraiment, on est en train de le prendre pour un con, quoi. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Hein. Et beaucoup de gens, justement, se leurrent là-dessus par rapport même à la puissance de Dieu. Tu as déjà enseigné là-dessus. Parce que Dieu a une âme. Nous avons une âme, mais l'onction n'a pas d'âme. L'onction n'a pas d'âme. L'onction n'a pas. C'est une puissance. Oui, c'est ça. Et va s'adapter à celui qui l'utilise, en fait. C'est comme un enfant à qui tu donnes un grand couteau bien, qui coupe bien. Ouais. L'enfant peut se faire mal. Il peut faire du mal aux autres, en fait. Donc, si la personne qui détient l'onction est immature ou a des blessures ou a des choses, l'onction va quand même fonctionner. Dieu va demander par exemple à Moïse de parler au rocher, la deuxième fois il va frapper, l'eau va sortir, le miracle va se faire, parce que cela nous montre en fait qu'à partir du moment où l'homme de Dieu a décidé de faire quelque chose avec la puissance que Dieu lui a donnée, ça va fonctionner. Mais est-ce que c'est la volonté de Dieu? Ça c'est point d'interrogation, pas forcément. Et donc, et c'est là où en fait où nous devons vraiment travailler notre caractère, travailler sur nos pensées, comme tu disais, parce que nos pensées en fait reflètent notre caractère reflète nos pensées, en fait. Donc c'est important de faire attention à ce qui rentre en nous, à ce que nous écoutons, de nous auto-analyser pour être sûr en fait que ce que nous faisons, Dieu valide, parce que c'est pas parce que le miracle s'est fait que Dieu a validé, en fait. Tout à fait. Il y a un aspect que je veux ajouter pour peut-être équilibrer. Il y a cet aspect là on peut avoir des mauvaises pensées, un mauvais caractère, l'onction va quand même fonctionner. Ça, il y a cet aspect-là, mais il y a quand même l'autre aspect où les mauvaises pensées vont étioler, bouffer l'onction et diminuer la puissance de l'onction. Empêcher l'onction, même inhiber même l'onction. On le voit avec Gehazi, comme on le voit, c'est ça. Quand l'autre l'envoie, c'est Élisée qui va l'envoyer pour le miracle. Il a le bâton. Il a le bâton. Mais il ne va pas avoir le résultat parce qu'il avait les mauvaises pensées. C'est ça. Donc, on voit, il y a quand même cet aspect-là. Les gens pensent toujours parce que l'onction est là, ça va toujours fonctionner. Parfois, on peut inhiber l'action de l'onction parce qu'on n'a pas un bon caractère, parce qu'on n'a pas de bonnes pensées. Et c'est d'ailleurs, il parlait de l'amour, pasteur gentil, et c'est là qu'on voit dans Éphésiens 4, Dieu va insister en disant la vérité avec amour, il y aura la croissance, il y aura l'impact. Donc Dieu nous montre quand même ici que on peut avoir l'onction, on peut avoir même une parole ou un qu'on a reçue de Dieu, mais si on la libère pas avec l'amour, on peut réduire la force de cette parole-là. Exactement. Donc, les pensées sont vraiment extrêmement importantes. Extrêmement, très bien nuancé. Exactement. Ce que le pasteur Isaac dit est effectivement très important. Ça me fait penser à l'histoire du jeune et du vieux prophète qu'on voit dans Un Roi. Lorsqu'on voit cette histoire-là, on voit quand même quelqu'un qui était loin. Et Dieu va l'envoyer, il va prophétiser de façon incroyable. Et il y avait plusieurs prophètes, mais Dieu le choisit quand même lui. Sauf qu'il ne va pas obéir à certaines instructions que Dieu va lui donner. Au final, il va finir par perdre cette onction-là. Donc, c'est vrai que nous sommes dans une alliance où, quand même, je le précise, que ce que Dieu donne, il ne se répand pas. Donc, ça veut dire que ça s'étiole, mais ça ne disparaît pas. Je nuance quand même, parce qu'il y a des gens qui nous regardent. Maintenant, en fait, ça veut dire que si je ne gère pas correctement mon caractère, cette onction, petit à petit, va finir par s'étioler. Ça veut dire que j'aurai l'impression qu'elle n'est plus là. Or, elle est toujours là, mais Dieu attend que je travaille mon caractère pour qu'elle se remanifeste à nouveau. Et moi, j'ai remarqué ça. J'ai remarqué que les moments où je gérais le moins mon caractère, mon onction était moins efficace. Pourquoi? Parce que Dieu s'identifie à ce qu'il a semé dans nos vies. Ça veut donc dire que lorsque l'onction de Dieu se manifeste, les gens nous regardent comme étant un modèle. Mais si tu as un sale caractère, comment les gens peuvent te regarder et s'identifier à toi? C'est pour ça que cette onction va s'étioler pour que nous primons d'abord sur le travail du caractère, afin que lorsque l'onction se remanifeste, les gens à nouveau puissent s'identifier. Il y a un prophète, en fait, dans la Bible, qui va demander qu'un musicien vienne, c'est qui? C'est Élisée. C'est Élisée, effectivement, en fait. Parce que, en principe, ne vous méprenez pas sur ce que je suis en train de dire. La musique est extrêmement importante et la louange est extrêmement importante dans l'exercice de l'onction. Mais nulle part dans la Bible, on a vu que Jésus exerçait avec les musiciens. Ça va? Vous comprenez? Ça veut dire que l'onction, quand elle est effective, elle peut opérer sans musicien, en fait. Mais on découvre dans cet épisode que la musique est une aide pour relever l'onction. Et on peut se poser la question, en fait, qu'est-ce qui s'est passé avec l'onction d'Élisée pour qu'il fasse appel
au service d'un musicien. C'est vraiment... C'est vrai que je me suis jamais posé la question, mais effectivement... C'est vraiment révélateur de un peu, quelque part, du caractère. On a dit, Élisée avait des pensées, et Élie d'ailleurs aussi. On voit que effectivement, il n'avait pas toujours, comment dire ça, une âme bien disposée, c'est des ça. Bonnes pensées. Donc, il avait toujours besoin de la musique pour essayer de se mettre à la même fréquence que c'est Dieu ça. Pour que l'onction soit activée. Et vraiment, on comprend au travers de ce que vous venez de dire que finalement, l'onction va être là dans la Nouvelle Alliance, l'onction va être là. Et il y a l'élément qu'on appelle la grâce qui va par contre osciller. Ça veut dire plus on a un bon caractère, on voit comment Proverbe en parle, hein, va dire la loyauté. La grâce de Dieu et des humains. Donc on voit quand même que les pensées, le caractère va déterminer la grâce qu'on aura dans notre vie. Plus la grâce, parce que l'onction quelque part normalement elle est connectée à la grâce. On a des bonnes pensées, un bon caractère. La grâce va augmenter. C'est cette grâce-là qui va toujours activer l'onction à des degrés. Et c'est pour ça qu'on voit dans l'acte des apôtres, je passe au contrôle de l'apôtre, on voit que les leaders vont commencer à une certaine puissance. Et plus il y a des persécutions, mais ils persévèrent. Ils gardent sous des pensées, sous l'œuvre de Dieu. On est content, on nous travaille pour l'œuvre de Dieu. Ils foncent. Donc, ils vont prier. On voit qu'au chapitre 4, la Bible nous dit qu'ils vont opérer avec une grande grâce. Donc, et les miracles vont continuer vraiment à se multiplier. Donc, je pense que les bonnes pensées vont libérer une plus grande grâce dans notre vie. Regardez, ne vous méprenez pas sur nos propos. Quand on prend des hommes de Dieu et qu'on essaie d'analyser les erreurs qu'ils ont faites, on n'est pas en train de dire que c'était des mauvais. C'est important de le préciser. Ces hommes-là, c'était des hommes. La Bible nous dit que ces choses ont été écrites afin que nous puissions, en fait, le verset, c'est encore quoi? Afin que nous puissions... Voilà. En fait, bon, c'est nous pour prendre un exemple. C'est pour apprendre. Que nous puissions apprendre. Il y a des bonnes choses qu'ils ont faites, mais c'est important de comprendre qu'il y a des choses aussi qu'ils ont faites qui n'étaient pas bonnes. Et on peut se baser dessus pour pouvoir donner des leçons pour nous enseigner aujourd'hui. C'est ne pensez pas qu'on est en train de dire là que Élie était mauvais gars, Élisée était mauvais gars. Ils ont fait des bonnes choses. C'était vraiment des puissants hommes de Dieu que Dieu a vraiment utilisés. Mais il y a des domaines dans lesquels où on ne peut tout simplement pas les imiter. C'est vrai, c'est parce vrai. Que, voilà. Et j'aimerais aussi ajouter par rapport à ce qu'on disait, c'est que la Bible va quand même dire Dieu fait grâce aux humbles, il résiste aux orgueilleux. Purée, le Saint-Esprit m'a dit un truc ce matin, mais c'était vraiment incroyable. Excuse-moi, pasteur. C'est vraiment incroyable, hein. je vous assure, hein, sur comment, en fait, les prophètes, là, sont morts. Le Saint-Esprit m'a dit que il y a certains, en fait, qui sont morts tué, mais ce n'était pas sa volonté qu'il meure comme ça, en fait. Je te dis, c'est incroyable. Je suis resté là épaté. Oui, vas-y. Tu nous parlais déjà de ça. Enfin, tu parlais d'Élisée. Oui, oui. On dirait qu'Élisée devait aller plus loin. Oui, il devait aller plus loin. Il allait au ciel plus tôt. C'était précoce. Mais à cause de sa façon de... Il véhiculait les mauvaises pensées. Au lieu de dire qu'il est fort, il va parler négativement. Élie, effectivement, tu nous dis souvent ça, qu'Élie devait... peut-être prolongé. Bon, il a aussi. Parce que quand j'ai étudié, excuse-moi, c'est juste une parenthèse, pasteur, il ne faut vraiment pas oublier ta pensée. En fait, quand j'ai étudié la vie d'Ésaïe, Jérémie et les autres prophètes, il y a un qui a été scié. Et mon père spirituel, le pasteur Francis Michel Badinga, m'a dit qu'en fait, tout ce qu'ils ont fait, la façon dont ils ont prophétisé, en fait, ce n'était pas toujours dans. Comme ça qu'il devait faire selon le plan de Dieu. Il y avait des trucs qu'il faisait en fait de façon maladroite, tu vois, et qui a engendré le fait qu'il se retrouve dans les problèmes dans lesquels ils se sont retrouvés en fait. Et c'est là où en fait j'ai compris ce que le Saint-Esprit m'a dit. Leur ministère aurait pu peut-être durer un peu plus longtemps. C'est là où on se demande mais pourquoi en fait ils ont vécu ça et pourquoi Dieu ne les a pas protégés. Parce que je suis désolé quand on voit Jean le divin. Dieu a quand même protégé Jean le divin. On l'a mis dans une marmite d'eau bouillante. Les autres qu'on a tués là, c'est quand même à la fin de leur vie. Paul, on le tue quand il décide. Il dit j'ai combattu le bon combat de la foi en fait. C'était juste une pensée comme ça que je voulais partager parce que le Saint-Esprit me... Et je sais pas, je peux peut-être rebondir. Et là on voit vraiment... Là ça va être une grosse parenthèse. C'est là on voit par rapport au prophétique même. On voit combien de fois, si on n'a pas, un bon bagage dans notre âme, ça peut... d'ordre, la pensée prophétique qui nous vient de Dieu et la manière dont on va l'exécuter, rejoint ce qu'on disait que la mauvaise pensée, le mauvais caractère peut comme étouffer un peu l'onction, pas empêcher l'onction de
de fonctionner de manière optimale, finalement. C'est vrai que, d'abord, je vais rebondir sur l'idée qu'il a dit, parce qu'elle est vraie, c'est que, c'est, en fait, nos paradigmes, nos pensées, en fait, vont nous donner certaines lunettes, en fait, et qui vont nous donner une certaine image. Mm-hmm. Et comme tu dis, souvent, on va prophétiser sur la base de ce que nous avons déjà dedans de nous, en fait. Mm-hmm. Et si tu as une mauvaise façon de faire, tu prophétiseras sur cette base-là, en fait. C'est ça. Comme ce que tu disais, par exemple, par rapport à Pierre, lui, il va le dire parce que lui, c'est une personne de l'Ancien Testament. Voilà, et je pense qu'on doit vraiment faire attention, d'où le fait de renouveler sa mentalité. Ouais, en fait. Ouais, qu'il a vécu vraiment au moment où il commence le ministère, la majorité de sa vie, c'est dans l'Ancienne Alliance. C'est vrai. Sa mentalité, c'est vraiment ancrée. Hein. Ouais. Donc, la Pentecôte est venue les équiper. Ouais. Et vraiment, il y a eu effectivement la nouvelle naissance, il y a eu l'équipement spirituel, mais ça ne les empêchait pas de passer par le renouvellement de l'intelligence. C'est vrai. Voilà. Même l'apôtre Paul va évoquer à un moment donné en disant qu'on ne va pas obliger les païens à judaïser. Mais c'est parce que Jacques était comme ça aussi. C'est vrai. Jacques était dans la nouvelle alliance, mais le renouvellement de l'intelligence par rapport au temps de la grâce, c'était compliqué. C'est lui qui a amené la révolution de ce message-là. C'est Paul. Mais pour qu'il y ait cette révolution, voyez ce qu'il vit, en fait. Parce que quelqu'un qui a été éduqué dans le judaïsme, qui a étudié le judaïsme, qui a occupé une position, qui a enseigné ça, qui a persécuté les chrétiens, en fait, c'était ancré. Mais pour que ça se produise, il a été quand même ravi au troisième ciel. Hein. Il a vécu quelque chose de fort dans sa vie pour que quand il redescend en griffe sur la terre, une révolution totale se passe. Et c'est lui qui informe les autres sur la période dans laquelle on est, en fait. On est dans les temps de la grâce. C'est là où Pierre va dire, non, ce gars-là, il explique des choses. Même moi, là, pour comprendre, là, c'est très compliqué, en fait. C'est pas facile. Justement, c'est pour ça que je voulais dire tout à l'heure, en fait, Dieu fait grâce aux humbles et il résiste aux orgueilleux. Et très souvent, en fait, il y a des choses qui ne vont pas fonctionner, malgré le fait qu'il y a l'onction, ou bien, on va dire plutôt que l'onction va s'étioler, parce que c'est Dieu qui résiste, en fait. Parce que le fait de ne pas changer sa mentalité, c'est de l'orgueil. C'est vrai. Dieu va te demander de changer certaines choses, tu vas refuser, tu vas résister. C'est une forme d'orgueil, en fait. C'est que toi-même, tu veux faire les choses à ta manière. Par exemple, Dieu va dire à Moïse de parler au rocher, mais il est tellement énervé, il va frapper. Au lieu de contrôler, de se battre pour contrôler ses pensées, pour pouvoir en fait faire ce que Dieu veut qu'il fasse. Et c'est pourquoi la Bible va dire, en fait, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous puissiez connaître quelle est la volonté de Dieu, celle qui est bonne, agréable et parfaite. Autrement dit, pour savoir ce que Dieu veut exactement, il va falloir passer par le renouvellement d'intelligence. Si on n'en passe pas par là, on aura tendance à faire les choses comme on le sent, comme on est conduit, mais sauf que des fois, ça peut être nos émotions qui nous conduisent, en fait. D'où le fait de faire attention à comment nous nourrissons nos pensées. Par rapport à ce que tu venais de dire en parlant de Pierre et même Jacques et tous les autres, je réalise vraiment que c'est important pour le chrétien de vivre quand même des expériences spirituelles. Amen. C'est pas forcément avoir des grandes visions, mais c'est quand même important de souvent se mettre à part pour accélérer ce renouvellement-là. On le voit quand même avec Pierre, c'est vrai, comme tu viens de le dire, il a vécu une bonne partie de sa vie dans l'Ancienne Alliance et tout, mais on voit quand même que Pierre va vivre des espérances, bien sûr, après l'espérance de la Pentecôte, il va quand même continuer à vivre de grandes espérances. C'est lui dans Actes des Apôtres, chapitre 10, en extase, là, c'est quand même des grandes expériences. Parce qu'en fait, le problème, le truc, c'est que c'est tellement, et c'est pour ça que Dieu nous fait vivre des expériences. Amen. C'est parfois pour ébranler nos forces. Parce qu'en fait, ça nous marque, en fait. Amen. Ça nous marque. Et parfois, la seule façon pour Dieu d'ébranler ça, c'est de nous faire vivre des expériences qui nous laissent dubitatifs, en fait. Qui nous laissent interrogatifs, en fait. Parce que c'est ce qui s'est passé quand il a vécu la vision. La Bible dit qu'il s'est interrogé, il a commencé à dire, mais c'est pas croyable. Parce que ça a renversé littéralement ces paradigmes. Et c'est pour ça que notre christianisme est un christianisme vivant. Amen. Et en tant que chrétien, effectivement, on doit vivre des expériences avec Dieu, en fait. Et juste, ça fait un moment que Pasteur Gentil n'a pas... Mais là, j'ai une petite idée là que... Allez-y, je m'édifie. Amen. Et en fait, très souvent, on remarque que les blessures, quand on vit des blessures, ça nous marque vraiment. Et ça reste dans notre vie. Et ça oriente même notre façon de nous comporter, du coup, nos pensées. Comme si c'était indépendamment de notre volonté, en fait. Parce qu'au fond, ce sont des traumatismes, en fait. Ça nous choque tellement. Et je me rends compte, en fait, par rapport à ce que tu viens de dire, c'est que le Seigneur veut aussi nous
provoquer des espèces de traumatismes en vivant des expériences spirituelles afin que ça marque notre âme, en fait. Comme les blessures marquent pour les mauvaises choses, les expériences spirituelles marquent. Exactement, vont marquer pour que nous puissions être vraiment concentrés sur la pensée de Dieu et son fonctionnement. Pasteur Gentil, je t'en prie, Pasteur Gentil. Pasteur Gentil, on n'est pas en train de dire que le pasteur ici est gentil. Gentil, c'est vraiment son prénom. Okay. Bon, non, mais en fait, si pour revenir à ce que tu disais par rapport à l'apôtre Paul, on se rend compte aussi que les expériences spirituelles vont donner une certaine crédibilité. Parce que dans Galates 2, verset 11, Paul va quand même dire qu'il s'est permis de réprimander Pierre concernant son attitude face aux non-chrétiens. Donc ça veut dire que lorsqu'on vit des expériences spirituelles, c'est pour être des sources d'édification aussi pour les autres. Parce que si je vis une expérience spirituelle mais qu'elle ne me renouvelle pas moi-même, je ne peux pas aider les autres à être renouvelés. Et c'est ça le but aussi des expériences spirituelles, c'est qu'on se rend compte que Pierre, comme tu le disais, va vivre des expériences spirituelles, mais ces expériences vont avoir un impact sur lui. Il va dire, je n'ai jamais rien mangé d'impur. Dieu va dire, tu manges. Pourquoi? Parce que Dieu s'attaque d'abord à sa mentalité au travers de l'expérience et ensuite il sort de sa zone de confort. Effectivement, il sort de sa zone de confort pour aller faire quelque chose qu'il n'a jamais fait. Donc l'expérience spirituelle, c'est vraiment, j'aimerais insister sur ça, n'est pas là que pour nous faire ressentir des frissons. Elle est là pour s'attaquer aussi à certaines de nos mentalités et nous sortir d'une certaine zone de confort, parce qu'il faut savoir que les pensées aussi vont installer des zones de confort. Ça veut dire que quand je vais avoir un certain système de pensée, je vais comme ériger des sortes de zones de confort autour de moi, ou des sortes de barrières, de carapaces qui vont faire que ça sera difficile de me sortir de là. Et comme tu disais, le but des expériences spirituelles, c'est de nous sortir de ces zones-là. Ok, donc il nous reste encore un peu de temps pour expliquer un peu certaines choses très importantes. Donc, vous comprenez, c'est important que vous puissiez gérer vos émotions, vos pensées, contrôler vos émotions, parce que tout ça va façonner votre caractère. Et le caractère, c'est le réceptacle même de l'onction. Et c'est important de comprendre que notre efficacité sur la terre, ici, dépend en fait de l'onction et de la foi. Or, la foi fonctionne par l'amour, donc de l'amour aussi. Si vous ne faites pas fonctionner correctement votre onction, vous n'allez pas correctement opérer. Un exemple, en fait, qu'on peut donner ici aussi, c'est l'exemple de Samson, en fait. L'exemple de Samson, sur le plan du caractère, non, mais il n'y a pas plus boucanier que Samson. Je suis désolé. Vous avez l'impression que ce monsieur-là, mais... Attends, mais c'est... c'est incroyable. C'est incroyable. Et il va finir comment? On va couper ses cheveux et l'onction ne va plus opérer. Et nous savons, en fait, qu'il y a un lien... 1 Corinthiens ou 2 Corinthiens nous montre le lien qu'il y a entre les cheveux, le voile et l'autorité. Vous suivez ça? Vous voyez, les cheveux, le voile et l'autorité. Le fait qu'ils permettent qu'on coupe ses cheveux, c'est comme si en fait, il enlevait la protection de Dieu sur sa vie, en fait. Et là, on comprend que l'onction est là quand même aussi pour nous protéger. Mais le problème, c'est que si nous avons un mauvais caractère, ça peut couper les cheveux, ça peut faire en sorte que l'onction s'étiole. Et c'est pour ça que beaucoup de chrétiens, en fait, au lieu d'être protégés, ils sont exposés. C'est vrai. Et pour rebondir sur ce que tu dis, parce que tu as parlé de couper les cheveux, mais la Bible va aussi dire que l'huile coule sur la tête. Donc, c'est-à-dire que le fait de couper les cheveux, c'est comme si, en fait, il interrompt le fait que l'onction puisse couler sur lui et puisse émaner de lui. Exactement. Et franchement, quand tu as parlé de Samson, ça a créé une brèche. Et j'ai pensé à un autre personnage aussi, Saül. Oui. En fait, quand on regarde Saül, c'est exactement le même problème. C'est-à-dire Saül est ouin. Mais il y a déjà un problème. Lui, il n'avait juste pas un problème de femme, lui. Saül, ça va. Mais c'est bizarre. Lui, il était un peu dingo, mais il n'avait pas de problème de femme comme Samson. C'est trop bizarre. On n'en parle pas trop, mais bon. Ouais, mais quand quelqu'un a des problèmes de femme dans la Bible, ça se dit. On en parle. Parce que on a parlé de David. On a parlé de Salomon. Et Saül, oui. Quand même dans l'ancienne alliance. Ouais. Saül. Et lorsqu'on regarde Saül, il y a déjà un il y a déjà un problème même au niveau de, je vais dire son ordination, au niveau de lorsqu'il ressent l'anxiété. Oui, parce que la Bible va dire qu'il va quand même se cacher au niveau des bagages. Mais pourtant, il a déjà discuté avec Samuel et Samuel lui a dit, c'est toi que Dieu a choisi. Pourquoi il va se cacher? Donc, il y a déjà un problème
problème dans l'image qu'il a et la façon de penser, son identité. Et c'est ce qui se retranscrit. Mais oui, c'est le complexe d'infériorité. Exactement. C'est ce qui se retranscrit. C'est ça qui se retranscrit. Avec David, parce que lorsque finalement Dieu le rejette pour prendre David, c'est le même problème qui ressurgit. C'est le même problème qui ressurgit. Ça veut donc dire que si je n'ai pas travaillé mon système de pensée, je peux recevoir l'onction et être complexé même par les autres qui ont l'onction. C'est ça. Pourquoi ? Parce que je n'arrive pas à me regarder comme Dieu me regarde. C'est pour ça qu'on a beaucoup de problèmes des fois de compétitivité dans l'église. Parce qu'il y a des gens qui sont ouins, mais au lieu de regarder ce que Dieu a mis sur leur vie, ils regardent constamment sur la vie des autres. Pourquoi ? Le système de pensée. Parce que les informations ne sont pas bonnes. Du coup, je regarde plus l'onction dans la vie de l'autre au lieu de regarder l'onction qu'il y a dans ma vie. C'est là où la Paul, si tu veux, c'est là où tu dis souvent qu'on active l'onction par la pensée. Amen. Donc la bonne pensée va activer l'onction. Amen. Si on a des mauvaises pensées, l'onction ne sera pas activée. Il y a même un autre personnage qu'on appelle, je voulais introduire un thème, le thème de dérèglement. On voit que les mauvaises pensées amènent un certain dérèglement dedans de nous. C'est vrai. Vient affaiblir notre volonté par rapport à ce que Dieu veut qu'on fasse. Exactement. Donc on le voit, bien sûr, avec Samson. Je ne sais pas s'il lisait la loi, mais il suit vraiment sa voix. Bon, Saül, on voit, il va avoir ce complexe d'infériorité. Il y a également Salomon, qu'on a quand même oublié de citer. Salomon qui va recevoir la sagesse de Dieu. On peut même dire qu'il avait comme un dépôt de bonnes pensées, des pensées de sagesse. Mais on voit quand même comment Salomon, parce qu'il est exposé aux mauvaises choses, il va connaître un dérèglement. C'est ça. Mais pourtant, il avait la sagesse. La sagesse, on voit que la sagesse est quelque chose d'activé. On ne nous montre pas comment ce monsieur-là avait une communion avec Dieu. C'est très rare. Les seules fois où on nous parle de Salomon, c'est quand Dieu va faire des offrandes. Quand il fait des offrandes. Mais on ne nous parle pas de Salomon, comme David, son père. On ne nous parle pas de Salomon qui va avoir une relation avec Dieu, des choses en train de chanter. C'est très rare. On voit qu'il a l'onction, il a l'onction, il a la sagesse, mais parce qu'il va être exposé aux mauvaises pensées, la sagesse de Dieu ne va pas être activée dans sa vie. Amen. On voit quand même l'importance des pensées. Pour ceux qui ne le savent pas, à un moment donné, en fait, dans la vie de Salomon, il y a eu sérieusement des gros problèmes. On ne sait pas combien de temps ça a duré. Peut-être ça a duré 10, 20, 30 ans, on ne sait pas. Mais vraiment, à un moment donné, parce qu'il est même allé jusqu'à adorer, d'autres dieux, les dieux de ses femmes qu'il avait épousées. Il a construit même des temples pour les faux dieux. Voilà, mais à un moment donné aussi, il va parler quand même, il va dire, il va essayer un peu la stupidité. C'est-à-dire qu'il va, quelque part, il avait aussi une mentalité où il commençait à se dire, bon, je vais essayer un peu de voir pourquoi les autres sont bêtes, quoi. Pourquoi les autres ne réfléchissent pas bien, en fait. Et en essayant... Mais j'ai rien dit. Je suis en train de t'écouter, Pastor Dams. Non, mais moi, il va essayer. Et du coup, déjà, je pense que s'il avait ce type de pensée, c'est que des fois, il s'est dit, bon, bah, pourquoi pas essayer, alors qu'il sait que c'est son Dieu qui l'a enrichi, qui l'a fait réussir, qui l'a fait régner. Son père lui parlait de son Dieu, l'éternel, Yahweh, etc. Machin. Mais pourquoi va-t-il maintenant aller vers ces autres faux dieux? Je pense que quelque part, rien n'arrive par hasard. Toute action que nous posons est le fruit d'une pensée quelque part développée, en fait. On ne peut pas, parce qu'au moment où on va poser l'action, quelque part, il y a une relation entre l'action que nous posons et nos pensées, en fait. On ne pose pas l'action comme ça en disant, ah, oh, bah, je ne sais pas ce qui m'arrive, quoi. Donc, bon, pour revenir à l'histoire un peu de tout à l'heure, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites par rapport à Samson, en fait, il y a une chose qui me frappe par rapport à Samson, parce que c'est un personnage quand même qui est loin par Dieu. Et tout à l'heure, on parlait des cheveux. D'ailleurs, je pensais que tu allais faire la blague. Non, mais là, je t'ai laissé tranquille. Moi aussi, j'ai les cheveux coupés. Là, je t'ai laissé tranquille cette fois-ci. Comme l'onction coule aussi sur la barbe, mais que tu as la barbe, c'est bon. Et du coup, c'est vrai que c'est quand même, quand on regarde, c'est une instruction que Dieu avait donnée, qu'il ne fallait pas qu'on lui coupe les cheveux. Parce que du coup, cette onction était liée à une instruction. Et souvent, c'est lorsqu'on sort de l'instruction que, en fait, l'onction va s'étioler. Je vois la même chose au niveau de Saül. On va lui dire de vouer par interdit tout le peuple, les animaux, etc. Mais il va garder une partie. Autrement dit, il ne va pas suivre l'instruction jusqu'au bout, encore une fois. Et à chaque fois que je remarque qu'il y a des personnes qui ne suivent
suivent pas les instructions jusqu'au bout, il se passe quelque chose dans leur vie. Moïse, par exemple, on va lui dire de par le rocher, va frapper. Finalement, il rentre pas dans Canaan. Donc, je pense que il y a aussi l'idée d'instruction qu'il y a derrière au niveau lorsque le Seigneur nous parle et nous libère quelque chose. Et encore une fois, ne pas suivre, c'est une question d'orgueil au niveau des Hébreux. Excuse-moi, en fait, c'est juste parce qu'en fait, il a dit quelque chose avant que l'idée puisse fuir. Tu as parlé de Salomon tout à l'heure, on a parlé de Salomon. Il y a quand même une chose à laquelle j'ai pensé pendant que vous parlez, c'est que Salomon va souvent dire « mon père m'a dit ». Mais rarement, il va s'accaparer la pensée de son père. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que je peux dire, l'apôtre, tu as l'habitude de nous dire, mais à un moment donné, il faut que ce message vive en moi. Vous voyez, je pense que le problème d'idolâtrie vient aussi du fait qu'il n'a pas su, à un certain moment, adopter complètement la pensée de son père. C'est-à-dire qu'il parlait en disant, mon père, mon père, mon père. Mais je pense qu'à un certain moment, il y a des choses, parce que le pasteur Isaac l'a dit, en fait, on voit rarement quand il parle de son adoration. C'est-à-dire que mon père, mon père, mon père, mais à quel moment toi-même tu fais ta propre expérience avec Dieu pour aller en profondeur? Et je pense qu'il y a réellement un problème aussi. Mais la barre était vraiment haute, hein, parce que David, vraiment, il avait une communion avec Dieu depuis tout petit. La barre était vraiment haute à cette époque-là. C'est incroyable, à un point où Dieu décide de lui donner le trône à perpétuité. Le trône d'Israël à perpétuité. La barre était vraiment haute. Hein. C'est-à-dire que Salomon, malgré toute la grâce qu'il avait, parce qu'au final, son règne est comme il est à cause de ce que son père avait déjà fait, en fait. Même l'histoire de la sagesse, là. C'est son père qui lui dit. Qui lui dit, en fait. Mais David avait mis quand même la barre très, très haute. Mais on le voit même comment le royaume finit. C'est lui qui est à l'origine de la scission un peu en Israël, Judas et Israël, c'est quand même Salomon. Et c'est là où on comprend quand même que dans cette... On parle de la gestion des pensées, c'est pour ça que la Bible va quand même dire de fuir, de ne pas s'exposer. Je pense qu'il avait vraiment la sagesse, certainement qu'il a même emboîté les pas de son père en termes d'adoration, puisqu'il va quand même... Autant il va quand même offrir 1000 bœufs. Il va même faire le double dans un autre épisode. Moi, je pense que c'est quand il commence à s'entourer des femmes ainsi de suite, ce qui était noir sous blanc, la parole de Dieu. Peut-être, bon, on est dans l'ancienne alliance. Il fallait peut-être 2 ou 3, je ne sais pas. Mais au bout d'un moment, quand tu as quand même 300 femmes, 400 concubines. Bon, il avait 700 femmes et 60 concubines. À un moment, c'est trop. Donc, il tombe quand même dans un. Il tombe quand même dans un dérèglement. C'est incroyable. Mais c'est ça qui nous permet, en fait, d'embrayer sur la loi de l'exposition. Vous n'allez pas pouvoir contrôler vos pensées si vous êtes exposé à des mauvaises personnes ou exposé à n'importe quoi. Tout à fait. C'est pas possible. À un moment donné, si vous vous battez avec les mauvaises pensées et que vous n'y arrivez pas, voyez un peu ce à quoi vous êtes exposé. C'est tout. Changez ce à quoi vous êtes exposé. Vous allez vous rendre compte que vous allez commencer à remporter des victoires. L'exposition peut être par rapport à la télévision. L'exposition peut être les livres qu'on lit. L'exposition peut être aussi les personnes que nous fréquentons. Parfois, l'exposition va être la société dans laquelle on est. Parce que je suis désolé, si tu as un problème dans tes pensées en matière avec tout ce qui est érotique et machin, tout ça, et que tu arrives en octobre et que tu roules ta voiture dans les stations, les panneaux publicitaires tout le temps des femmes nues, des choses comme ça, ça ne fait pas du bien aussi à ton âme dans le contrôle de tes pensées. Même la ville où tu habites, ça va avoir un impact. C'est même si tu habites à Pigalle. C'est la même chose avec Lot. On se rend compte que son environnement, au final, a fini par l'affecter au point où je ne sais plus qui disait ça. Lorsque les rois vont venir pour conquérir Sodome et Gomorrhe, voilà, c'était le pasteur Paulette. En fait, on l'emmène quand même à l'extérieur. C'est comme si Dieu l'avait reçu. Il lui dit, mais en fait, tu
censé sortir. Après, il dit merci de m'avoir libéré, mais c'est là-bas, écoute, c'est bon. Écoute, Oliver, il dit non, merci, Abraham, en fait, il faut que je retourne. Il faut que je retourne à l'homme. C'est fou quand même. En fait, on se rend compte que même l'environnement le rend esclave de certaines choses. C'est-à-dire qu'il se dit non, c'est ce dont j'ai besoin. Alors que ce n'est pas réellement ce dont il a besoin. Ça veut donc dire que les choses auxquelles je m'expose peuvent me donner l'illusion selon laquelle j'ai besoin de ces choses-là. Et c'est pour ça que Salomon se retrouve avec autant de femmes. Parce qu'il est dans un environnement, il se dit non, mais en fait, j'ai besoin d'autant. Il faut que la même Et c'est vrai que par rapport à ce qu'il vient de dire, en fait, ça me fait penser au fait que non seulement notre environnement doit changer, mais on doit aussi faire attention parce que là, j'aimerais parler surtout aux personnes qui disent bon, bah non, j'ai un travail là-bas, dans tel pays ou tel endroit, donc j'y vais. Ils doivent faire attention parce que des fois, là où tu vas, peut-être, bon, je vais un peu imaginer, mais peut-être que Dieu a prévu de détruire cette ville en fait. Peut-être que Dieu a déjà condamné cette ville. Donc tu peux pas juste y aller parce que tu as un boulot là-bas, parce que là où tu es, c'est difficile en fait. Je pense que là, c'est là où je pense qu'on peut interpeller les internautes pour qu'ils cherchent d'abord la volonté de Dieu. Parce qu'il y a des gens qu'on a vus dans le ministère qui sont partis dans d'autres villes, ils sont complètement perdus. Vraiment complètement perdus. Et ils commençaient même à se poser des questions sur l'existence de Dieu, peut-être même est-ce qu'il doit vraiment servir Dieu. Alors c'était des personnes qui avaient des véritables appels en fait. Mais tu sais, pasteur, à un moment donné, attends, je vais donner la parole au pasteur Isaac. Tu sais, pasteur, à un moment donné, parfois même on n'a même pas besoin de faire autant de jeûnes pour savoir que lui ne tiendra pas. C'est sûr. Je me rappelle d'un jeune dans ton réseau, il avait décidé d'aller quelque part. On n'a même pas tergiversé. On a dit, toi, tu ne peux pas aller là-bas. Si tu vas là-bas, c'est qu'on valide le fait que tu repartes dans le monde. Et direct, on n'a même pas eu besoin de demander son avis. On a dit, tu ne pars pas. Et on est tous les trois tombés d'accord. Sans responsable de GR, sans responsable de réseau, le pasteur Darius, et puis moi, direct, on a dit, non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas, donc tu n'y vas pas. Sinon, c'est le cachet pour que tu repartes dans le monde. Vas-y, pasteur, je comprends. Ce que je voulais ajouter, c'est qu'il y a quand même une classe au-dessus. C'est dans cette classe-là, pour faire peut-être plaisir au pasteur Darius, c'est dans cette classe-là quand même qu'Abraham va opérer. Parce qu'il y en a qui peuvent se dire, tiens, c'est l'environnement qui fait que j'ai péché, c'est telle ville, c'est tel décor. Mais on voit quand même qu'Abraham va quand même opérer dans une dimension supérieure. Et on parlait de Salomon, mais on voit également Lot faire la même chose. On nous montre pas un endroit où Lot est vraiment en train de prier, en train d'offrir des sacrifices. On voit quand même ce sont des facteurs. C'est vrai. L'endroit est là, bien sûr, mais... Si on est rempli de Dieu, les pensées de Dieu sont quand même plus fortes que les pensées naturelles, les pensées du diable. C'est ça qu'on va leur montrer à la prochaine émission, en comment prendre les pensées de Dieu, les implanter pour que ça devienne, justement des... forteresses positives. Oui, des forteresses positives. Mais vous savez qu'il y a un mot, il y a vraiment un mot dans la Bible qui désigne un lieu fort, des remparts, je ne sais pas. Il y a un mot. Et même dans le Nouveau Testament, pour ceux qui nous écoutent, ils comprennent que Dieu dit quand même que qui a eu la pensée de Dieu pour juger, mais nous avons la pensée de Christ. En fait, le chrétien a la pensée de Christ. Bon, on verra peut-être dans la suite comment activer ça. Mais pour revenir à cette histoire de Lot et Abraham, on voit quand même qu'Abraham va avoir un style de vie, il va opérer une autre dimension. Abraham ne va pas dire non, comme à Sodome et Gomorre, il y a tel décor, il y a ceci, je vais tomber dans le péché. La Bible, Abraham va regarder au même endroit, que Lot, mais il va tenir. C'est ça. Je pense parce qu'Abraham était rempli de Dieu. Amen. C'est pour ça que donc Colossiens 3:16, Dieu va nous dire d'être rempli, que la parole de Dieu habite en nous richement. Amen. C'est-à-dire quand la parole de Dieu est là, elle va prévaloir, quel que soit ce qu'il y a à l'extérieur. Et l'apôtre, c'est toi qui l'as dit à l'une des émissions, je pense, le direct de dimanche, que je sais plus, il y a une réunion qu'on a eue la semaine dernière, ça m'a marqué, que la gloire va nous fermer les yeux sur les mauvaises choses. C'était lundi, quand la réunion avec les pasteurs. La gloire de Dieu nous aveugle par rapport aux choses de la chair. Et c'est vraiment ça. Et c'est ce qui se passe également à la pensée de Christ. Quand on est rempli la parole de Dieu, mais quel que soit le décor, on va prévaloir, on va marcher. Tu sais, pasteur Isaac, parce que justement, on parlait de Lot. En fait, moi, quand même, quand je lis l'histoire, lorsque les anges arrivent... Bon, il y a quand même une bonne nouvelle dans tout ça. C'est que Lot arrive quand même à reconnaître les anges. Ça veut quand même dire qu'il y avait des restes. Bon, moi, je me dis, bon, peut-être qu'il y avait des restes. Non, c'est vrai, c'est vrai. C'est qu'il a vécu avec Abraham, mais il y avait un dépôt quand même qui était là, même s'il ne l'a peut-être pas entretenu, mais ce dépôt-là... Donc, c'est une bonne nouvelle quand même pour les gens qui nous regardent, de savoir qu'il y a quand même le bon dépôt qui est là, et il n'est pas trop tard. C'est ça. Mais bon...
pour revenir à Lot, on se rend compte quand même que quand les anges arrivent et que les gens veulent connaître physiquement les anges, Lot va dire « prenez mes filles ». Mais en réalité, s'il était habité par la pensée de Dieu, il n'aurait même pas proposé ses filles. Ouais. Il aurait serait opposé radicalement en disant « ce n'est pas une bonne chose ». Donc on se rend compte que l'environnement l'avait quand même affecté au point où il se dit « bon, il y a quand même d'autres possibilités ». Pourquoi ils n'ont pas demandé l'autre? Parce que je me dis peut-être qu'ils connaissaient déjà. Peut-être qu'ils connaissaient déjà. On dit bon, quand t'as déjà fatigué. Et c'est là, je pense qu'on avance vraiment bien dans l'émission. Et c'est là, peut-être dans l'autre épisode, on pourrait introduire la notion d'oppression. De dépression et d'oppression. Parce qu'on le souligne peut-être pas, mais on peut dire quelque part que Lot a vécu une sorte de dépression par sa relation avec Dieu et finalement une oppression. Parce que l'oppression va pousser à certains choix, à certaines décisions finalement. Et c'est pour ça que quelqu'un pouvait dire on n'est pas oppressé si on n'est pas d'abord, on ne déprime pas d'abord. Donc je pense que ça va peut-être nous aider pour la suite. Pour aller dans cet élan, pasteur Isaac, lorsqu'on regarde l'histoire du fou de Gadara, il y a quand même une chose qui est marquante. C'est que quand Jésus le délivre, il n'était pas la première personne que Jésus délivrait, mais lui dit « je veux te suivre, je veux aller avec toi ». Donc ça veut dire qu'avant que la situation peut-être de folie arrive, il était peut-être dans un état qui a ouvert des portes. Et quand il est délivré, la Bible dit « revenant lui-même », ça veut dire que les moments de lucidité qu'il avait étaient peut-être les moments où dans son âme, il se disait « j'aimerais bien connaître la délivrance totale ». Et c'est pour ça que lorsqu'il voit Jésus revenant lui-même, il se dit « non, la porte est arrivée », c'est-à-dire le secours est arrivé. Donc, en fait, on se rend compte que le système de pensée qu'on va avoir peut non seulement ouvrir des portes, mais le système de pensée qu'on peut avoir peut aussi nous donner des moments de lucidité parce qu'on a parlé de fou. Il aurait pu avoir le moment de lucidité en revenant à lui-même et se dire « bon, je suis déjà dans cette situation ». Mais il veut saisir quand même la brèche. Ça veut donc dire qu'il y avait peut-être dans ces moments de lucidité un système de pensée qui lui disait « tu dois sortir de là ». Ça veut dire que quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve, le moment de lucidité, on doit quand même réussir à le saisir, parce qu'on est en train de parler des pensées. Je pense que chaque être humain ici sur la Terre a toujours des moments de lucidité. Des moments où on peut se ressaisir et se dire, parce que très souvent les gens vont être là dans un nuage noir et se dire je ne sers à rien, mais il y a quand même un moment de lucidité où tu peux te dire je veux quand même évoluer, je peux changer et saisir ce moment de lucidité. Très bien, vous l'avez compris. Non, mais parce que le temps est déjà passé. Vous l'avez compris, en fait, vous êtes ce que vous pensez et vous attirez ce que vous pensez autour de vous. C'est l'une des raisons pour lesquelles vous devez prendre vos pensées au sérieux, les gérer et les contrôler. Et dans le prochain épisode, on vous montrera comment, avec la parole de Dieu, vous pouvez réussir à avoir le dessus sur les mauvaises pensées pour pouvoir recréer votre monde. Si cette émission vous a béni, vous pouvez être partenaire à Évangile TV. Comment le faire? Vous pouvez déjà vous abonner à la chaîne en cliquant sur « s'abonner ». Et n'oubliez surtout pas la petite cloche. Gloire à Dieu. En tout cas, j'avais avec moi le pasteur Isaac, le pasteur Darius et le pasteur Gentil. L'émission s'appelle « Pendule à l'heure ». Je vous dis à bientôt au prochain épisode.